Yo les amis, c'est Vicar, j'espère que vous avez la forme, bienvenue sur un nouvel épisode de Zelda Tears of the Kingdom. J'ai récupéré, vous le voyez, le petit masque du mauvais génie, c'était la dernière pièce de l'armure du mauvais génie que j'avais pas. Donc ça y est, elle est vraiment stylée, dis-moi cette tête de Link quoi. Il a l'air vraiment vénère, donc voilà, c'est franchement, elle est super belle. Je vous montre dans l'inventaire, voilà, donc ça fait le bonus d'attaque également avec le masque du mauvais génie, voilà, très stylé. Donc il va falloir que je l'augmente aussi parce que c'est vrai que ma défense est pas folle du fait que j'ai pas non plus énormément de cœur, mais aussi que j'ai pas encore amélioré mes armures. Et comme franchement au niveau du style c'est l'une de mes préférées, j'aimerais bien l'augmenter, puis elle est vraiment pas mal en termes de boost d'attaque, même si c'est vrai que je pense qu'en termes de défense l'armure par exemple de soldat est meilleure. Après il y a plein d'autres armures bien sûr, mais bon. Et j'ai aussi d'ailleurs récupéré l'épée qui va avec. L'épée du mauvais génie, voilà. Elle est en force de base 38. Alors c'est une épée à deux mains. Mais voilà, elle est quand même assez classe. Et je vais lui faire un petit amalgame, je pense, avec un petit diamant. Voilà, pour bah voilà, la rendre encore plus forte. Voilà. Magnifique, et donc elle passe à 63, ce qui est quand même pas dégueu, voilà. Alors dans cet épisode les amis, en tout cas déjà merci d'être présent, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire sous la vidéo, c'est très important pour booster la vidéo. On va aller dans un endroit qu'on n'a pas encore visité, donc vous voyez la carte est quand même bien dégagée. Avant de se rendre dans le prochain monde, le prochain village, et le dernier village majeur du jeu d'ailleurs qui va être au niveau de cette région là, le village Gerudo, on va continuer un petit peu notre exploration et on va aller découvrir cette zone là. Voilà, c'est l'une des dernières qui me manque. Donc normalement j'avais repéré une tour d'observation qui devrait se situer à peu près à cet endroit là quand j'avais pris mon vol à partir de la tour du ravin d'Ordine. Et ici j'avais mis un petit logo, c'est censé symboliser un géoglyphe, voilà, donc pour continuer l'exploration des géoglyphes. Je suis au village Goron parce qu'on va partir de cet endroit là. Je vois qu'il y a un petit chemin à travers la montagne qui devrait nous aider et j'espère nous permettre d'arriver à cet endroit là et de découvrir un petit peu les lieux. Il y a peut-être un village aussi, alors je l'avais pas vu normalement sur la carte, mais bon, on va voir ce qu'on va découvrir. Et j'ai vu qu'il y avait notamment Impa qui était là, qui est souvent là après chaque mission principale. Elle se trouve souvent dans les villages et elle nous informe sur les géoglyphes de la région. Ah, c'est toi Link, toi aussi tu es là pour les géoglyphes. Nous avons entendu dire qu'il y en avait un dans les environs, alors on fait le déplacement. Je me demandais à Link, as-tu découvert le géoglyphe qui se trouve dans les hauteurs Gerudo? Ah bah non, ou pas encore. D'après la carte du temple oublié, il s'agirait du géoglyphe qui représente une personne. Nous avons bien l'intention d'aller examiner nous-mêmes. Donc elle nous parle d'un géoglyphe dans la région Gerudo, donc j'en avais placé un là, mais ça, je crois pas que ce soit la région Gerudo ici. Donc il faudra qu'on aille voir celui-là également, peut-être dans cet épisode, on verra. Donc il doit y en avoir encore un, peut-être ici, et peut-être un là-haut, je sais pas encore combien il y en a. Quoi qu'il en soit, on va partir du coup en direction de la nouvelle zone que je vous disais. Par contre, je suis en train de me dire, j'ai pas de cheval, c'est un peu embêtant. Je sais pas si ici ils ont une écurie, un truc comme ça, je sais pas. Bon, de toute façon, même avant d'avoir un cheval, il faut qu'on prenne un wagon. Donc, hop, je vois qu'il y a hop les petits wagonnets ici. Voilà, c'est déjà la première étape. Hop les. Et let's go. D'ailleurs je crois que j'avais révoqué mes amis. Voilà, je leur avais demandé d'aller se reposer. Donc on va les réinvoquer. Sidon, Babil et le dernier en date, Yun Yonobo. Bon, je crois que ça les a pas invoqués parce que comme j'étais. Ah si, c'est bon. Alors là on arrive au siège justement de Yun et compagnie. Du coup, on est obligé de continuer à pied pour le moment. Je suis jamais venu dans cette zone-là à pied. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Il faudrait, ouais, je crois qu'un petit maillet rocailleux. Voilà. Ambre. Wouhou.
Ils sont vraiment pas résistants. Hein. Dès que tu prends quelque chose avec de la pierre, ça part dans tous les sens. Et les petites poules. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, des trucs en métal pour construire. Ça change des pièces en bois. C'est la traversée du désert. Du désert de lave. Tiens, il y a un goron qui est là. C'est comme ça qu'on les appelle? Bonjour, la lave a refroidi et ça a formé un passage juste ici, mais t'es bien le premier à l'emprunter. En tout cas, ça me fait du bien de voir quelqu'un. Comme il n'y a jamais personne ici, la solitude me pèse. Enfin, si tu continues ta route vers le nord, tu verras de gros os au sol. Je m'y aventurerais pas tout seul si j'étais toi. D'accord. De gros os au sol. Ok, je sais pas s'il parle de quelque chose qui est derrière moi, mais bon. Quoi qu'il en soit, on a une jolie vue parce qu'on voit justement notre objectif. La tour. Hop. Ah, oh, pourquoi je me fais attaquer par une autruche? C'est pas normal, ça. Vous savez, ce qui serait cool, ce serait de se faire un petit... un petit aéronef. Je sais pas si je peux le foutre, là. Hop. Ah, super. Hop. En fait, je sais jamais comment le placer pour qu'il glisse bien. Allez, c'est parti. Wouhou! Putain, le problème, c'est que j'ai tellement peu de batterie. Allez, on va rester là comme ça. Normalement, après, c'est censé... c'est censé planer. Hein. Oh, ça fait longtemps que je suis pas monté là-dessus. Waouh! C'est beau. C'est cool parce que Yoon, du coup, il se met direct sur la pointe du truc pour faire une attaque. Waouh, on dirait une cité Inca, le bordel. C'est parfait, ce petit aéronef là. Oh, regardez, on dirait qu'il y a quelque chose sur la tour. On dirait qu'elle est bouchée. Trop chelou. Waouh. Bim. Ok. Donc elle est bouchée par un... Elle est bouchée par un bloc. Je peux pas le virer. Ah, je suis trop loin. Mais comme ils ont mis des petits réacteurs ici. Arc de golem. Ouais, non, c'est tout naze par rapport à ce que j'ai. Donc du coup, comme ils ont mis des petits réacteurs ici, on va pouvoir lui faire un petit amalgame et monter dessus. Hop. Let's go! J'adore ce truc. Ouh! Oula, je suis parti loin là. Alors. Imagine du coup que la tour, elle aura pas été fonctionnelle. Ah! Dégage! Attends. Je te veux pas là. Ah! Ah bah c'est bon, on l'a débloqué. Nickel. C'est pas la première fois qu'une tour est. Attends, je vais vraiment l'envoyer plus bas, lui. Pour pas qu'il me gêne. Voilà. Du coup, normalement, elle est débloquée, ça c'est cool. Y a plus qu'à descendre et je vois que c'est par là. Wouhou! Ah bah j'imagine que lui... Pourquoi j'entends des boum boum? Ça fait très Inca ici, hein, le style. Salut. J'étais venu réparer cette tour de reconnaissance dont le terminal ne fonctionnait pas. Mais on dirait que c'est réglé maintenant. Alors que j'ai même pas levé une aile. C'est magique. Ah bon? Il y avait un obstacle au sommet de la tour de reconnaissance? Ce terminal fonctionne de pair avec le couvercle au sommet de la tour. Donc j'imagine que, comme le couvercle s'était bloqué, le terminal ne pouvait pas se mettre en marche. Enfin bref.
Maintenant que le problème est réglé, je n'ai aucune raison d'en éterniser ici. Je te remercie d'avoir réparé la tour de reconnaissance. Allez, j'y vais. J'ai encore du pain sur la planche, moi. Oui, et moi j'ai rien à faire, quoi. Ah oui. Ok, alors. On va bien sûr activer la tour, mais je voulais aller voir ici aussi. Eh, par ici, oui. Salut l'ami, je t'attendais. Oui, j'ai découvert ces ruines, et visiblement je suis le premier. Je me suis lancé dans leurs études, mais tout seul c'est un petit peu compliqué. Elles sont colossales. Beaucoup trop importantes pour un simple archéologue. Je suis dépassé par l'ampleur de la tâche. Alors, j'ai envoyé une missive au groupe d'archéologie Sono, au village de Cocorico, pour qu'ils envoient quelqu'un. Et donc, je t'attendais. Merci d'être venu si vite. Hein? Tu n'as pas été envoyé par le groupe d'archéologie Sono? Ah, pas de chance. Il y a quasiment personne qui passe par ici. J'étais persuadé que tu venais pour m'aider. Et avec la mystérieuse découverte que je viens de faire, j'aurais bien besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît bien en stèle. Oups. Tu m'as entendu marmonner? Navré, mais je ne peux pas t'en dire plus, c'est confidentiel. Bien sûr, si tu étais membre du groupe d'archéologie Sono, nous aurions pu étudier ensemble ce que j'ai découvert. Je suis venu t'aider. Quel escroc. Je sais pas. J'ai comme un doute. En même temps, il a l'air en bonne forme. Une donnée qui a son importance. Il pourrait m'être utile pour m'aventurer dans les ruines. Ok, d'accord. Tu seras mon assistant. Mais seulement dans l'enceinte de ces ruines, compris? Je compte sur toi, cher assistant. Tâchons d'élucider les mystères dissimulés dans ces vestiges. Ne perdons pas plus de temps. Je vais te faire le topo et t'expliquer tout ce que j'ai pu découvrir jusqu'à maintenant. Un petit instant. Oh, is. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est bizarre cet homme. Des stèles, ok. Voici ce que j'ai trouvé dans les ruines. Va voir de plus près, tu vas être surpris. Fouille des ruines obscurcies. Exécute la technique secrète du sage du vent devant le hibou que surveille Main Dragon. La technique du sage du vent, donc c'est Babil, devant le hibou que surveille Main Dragon. Alors, surprenant, non? On est d'accord, on est bien d'accord. La civilisation Sono est très ancienne, peu de gens sont capables de déchiffrer l'écriture de ce peuple d'autrefois. Pourtant, tu peux lire l'inscription sur cette stèle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce qu'elle est rédigée en irulien. Ces ruines présentent tous les attributs habituels de l'architecture Sono et pourtant, les gravures sont en irulien. La question est donc qui a bâti cet édifice et pourquoi? Ce n'est qu'une supposition, mais il se pourrait que la stèle indique un endroit qui se trouve dans ces ruines. Cher assistant, j'ai besoin que tu fouilles ces ruines de fond en comble pour trouver l'endroit en question. Je pense qu'il s'agit de notre meilleur indice pour découvrir les secrets à l'origine de ces vestiges. Je me fie à mon instinct sur le coup. C'est le privilège de l'expérience, tu t'en doutes. Sous la garde des dragons. C'est une quête secondaire. Exécute la technique secrète du sage du feu, donc Yonobo, dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Ok. Deux dragons, ça m'évoque vaguement quelque chose. Il y a peut-être un indice dans les ruines. Entre les deux dragons. Ok. Et la troisième. Charge, puis déclenche la technique secrète du sage de l'eau en présence des six dragons. Je crois que ça fait référence à la galerie de dragons qui se trouve... Qui se trouve où déjà? Ok. Donc, est-ce que c'est dans le coin? Parce que si c'est dans le coin, on va faire cette quête assez rigolote. Ici, on a des objets, on dirait qu'on peut les... On peut les mettre comme ça, tu sais. Comme un petit Tetris. Hop là. Ah, c'était un emplacement de Korogu. Tu m'as trouvé. Merci pour cette petite noix. 7. À l'envoyeur. Ok. Ciao. Alors, attends, ici, il y a plein de têtes de dragons. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, il y avait quelque chose comme ça. Sur les 6 dragons, sous la garde des dragons, exécute la technique secrète du sage du vent devant le hibou, non. Exécute la technique secrète du sage du feu, non. Charge puis déclenche la technique secrète du sage de l'eau. Charge puis déclenche la technique du secrète du sage de l'eau. Ah oui, d'accord. Donc c'est. Hop, Sidon. Là je charge. Ah, c'est bon.
On a réussi. La première énigme. Waouh. C'est vraiment un délire en mode Inca Aztec, c'est trop stylé. Ok, petit coffre. Ah, je suis dans la boue. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un truc cool, j'espère. Opale brute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En présence des 6 dragons, c'est terminé. Du coup, on va partir à la recherche des autres dragons. Putain, c'est des marécages ici. Ah, attends, là, il y a un autre dragon. Ah, c'était ça, en fait. De la tête aux pieds. Donc ça, c'était Yonobo. Si je me souviens bien. On va regarder quand même le journal. Non, c'est vrai que c'était une quête secondaire, je sais plus. Tac. Entre les deux dragons, exécute la technique secrète du sage du feu dans l'espace entre les deux dragons. De la quête, de la tête vers la queue. Donc de la tête vers la queue. On est bien à la tête. Ah ouais, j'avoue, ça fait plus stylé. Ah, il y a un hibou là. Et deuxième coffre. Je pense qu'on gagne des pierres précieuses à chaque fois. Hein. Ça fait vraiment trésor en vrai. Ok. Oh, rubis brut, stylé. On va pouvoir se faire pas mal de sous, les amis. Et du coup, la dernière, c'est avec l'hibou, je crois, qui regarde les dragons. Là, il y a un autre dragon. Ah, je crois que c'est celui-là, là. Ouais, ok, les têtes de dragon, effectivement. Elle regarde l'hibou. Du coup, Babil. C'est parti. Wouhou, ça marche. Bon bah c'est cool comme petit quête pour avoir pas mal de pierres précieuses, que ce soit pour les vendre ou faire des amalgames assez puissantes. Se faire pas mal de pognon, vu qu'on a tout dépensé dans notre maison. Et que c'est pas fini. Saphir brut, très bien. Surtout qu'il y a une... et voilà, sous la garde des dragons. Surtout qu'il y a la Gerudo là, du village Goron, qui rachète les pierres précieuses en échange de pas mal d'argent. Ah, mon fidèle assistant, j'apprécie son enthousiasme, mais c'est un peu de repos s'impose. Comment? Tu as trouvé le lieu indiqué par la stèle? Ouais, par les 3 stèles même. Ah, je comprends, subtil. Bien joué, mon fidèle assistant. J'ai respecté les lieux dès que possible. Du coup, je crois que je n'ai plus besoin de ton aide. Je vais continuer à étudier ça encore un peu. Si je fais de nouvelles découvertes, j'espère que tu reviendras m'aider. Alors, à mon avis, quand tu as le quatrième sage avec toi... Le sage de la foudre, hein, après t'es allé au village Gerudo, tu peux revenir ici et t'as une quatrième stèle et tu finis la quête, je pense. Alors, on va pouvoir activer maintenant la tour de reconnaissance. On est quand même venu pour ça à la base. Et aller voir dans le ciel. On va essayer de trouver le géoglyphe et d'y aller directement en plus. On va découvrir encore une nouvelle région, c'est trop bien. Ça fait trop plaisir en fait, de que la carte se découvre peu à peu. Waouh, ah bah ouais, ça c'est le géoglyphe qu'on a déjà vu suite de, dans la neige là, dans la région des bras. Et voilà, magnifique. Grande forêt d'Hyrule, ok. Super. Et bien sûr, la carte du ciel. Oh, les yeux blancs comme ça de Link, là, il fait flipper. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu... Oh, on voit vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a un petit peu... Wow. Ah. Alors déjà on a le géoglyphe effectivement qui est ici. Donc on va y aller. Par contre, on voit pas grand chose dans cette région là, c'est un peu chelou. Attends, j'ai un.
En fait, il y a un gros nuage bizarre là. C'est très chelou. Je vais essayer de noter sur la carte aussi les petits. Ouh! Les petits sanctuaires que je vois pour y retourner plus tard. Ah, je suis un peu court. Ah, je suis un peu. Ouais. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre là comme ça. Tac, remplacer, on met ce petit logo, voilà. Et j'y retournerai plus tard. Moi je les fais tous d'un coup en fait les sanctuaires, hein. J'aime bien. Il y en a un là-bas aussi. Hop. C'est chelou ce truc là, ce nuage bizarre là. Est-ce que c'est comme... comme quand on avait été avec Babil, il faut passer par au-dessus là. Faudrait tester. Je vais d'abord aller. On va d'abord aller voir le géoglyphe. Tiens, j'en vois un autre là-bas. Ah, mais j'ai déjà noté sur la carte, donc c'est pas bon. Wouhou! Je fais attention parce que j'ai plus trop de. Trop d'endurance là. Alors, à votre avis, elle est où l'alarme? Elle est dans le manche ou elle est dans le. À la pointe de l'épée. Je dirais à la pointe de l'épée, hein, clairement. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Par contre, ouais, vas-y. Vas-y, j'ai plus beaucoup d'endurance. Elle est magnifique. C'est l'épée de... Ouh là là là. C'est l'épée de... Je vais devoir me laisser tomber comme ça, tant pis. C'est l'épée de légende, hein. Elle est juste trop belle. Je crois que c'est la première fois que je remarque, en fait, une goutte... Vue de haut en fait. En fait j'avais pas remarqué qu'elle était pleine là où se situe le puits d'eau. Allez on est parti pour une nouvelle cinématique pour comprendre le passé de Zelda et ce qui s'est passé. J'adore ces moments là. Oh, le temple du temps. Au tout début de l'aventure, les amis. Nous avons au moins réussi à le sceller. Mais Link, puissant comme il est, je crains que tu ne puisses pas le vaincre. C'est l'endroit qu'on voit en sortant du temple du temps au début de l'aventure, juste avant de descendre sur Hyrule. Elle est retournée dans le passé, l'épée de légende, en fait. Impossible. Comment a-t-elle pu? Link est en vie. La déesse soit louée. Et c'est pour guérir et retrouver vos forces que vous êtes venu à moi à travers le temps. Zelda. Si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence.
Je pense pouvoir vous aider. Oui. En fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Ainsi, nous parviendrons à le vaincre. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Et moi, je ne serai plus jamais humaine. C'est ça, hein? C'est ça, les amis. C'est ça, c'est sûr, c'est un dragon. Retrouve-moi. Ah, c'est ce qu'on avait entendu au tout début quand l'épée disparaît, parce qu'au début on commence avec l'épée de légende qui est brisée, l'épée disparaît et en fait elle revient dans le passé, dans les mains de Zelda, et je pense qu'elle a comme but de réparer l'épée de légende qui va être la seule chose qui va faire qu'on va pouvoir vaincre Ganondorf. Et je pense que... Waouh, trop stylé. Faut qu'on regarde. Donc c'était... Ah, le souvenir de l'arme du dragon numéro 11. Zelda s'inquiète en pensant au jour lointain où le sceau du roi démon se brisera. On a vécu effectivement le sceau qui se brise. Quand l'épée de légende corrodée se matérialise sous ses yeux. Lorsqu'elle entend de la voix de l'épée que Link a survécu. La raison de son retour dans le temps lui apparaît clairement. Donc je pense qu'elle a choisi effectivement de se transformer en dragon. Le truc qui m'étonne, c'est que je pensais qu'il n'y avait qu'un seul dragon. Et en fait, on a vu, je crois, dans l'épisode précédent ou celui d'avant, qu'en fait, il y avait plusieurs dragons qui sillonnent le ciel d'Hyrule. Est-ce que Zelda est l'un d'entre eux? C'est possible. Peut-être que c'est le dragon qui, au tout début, a déchiré le ciel et nous a permis, du coup, de descendre sur Hyrule. Donc au niveau des larmes de dragon, on a la 1, la 2, la 3, la 4, après ça passe à la 7, donc il nous manque la 5 et la 6. Ensuite, il nous manque la 10. Ok, l'épée d'une autre époque, trop stylé. Donc dans l'aventure, il va falloir qu'on récupère l'épée de légende. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Ce brouillard de ouf. Je vais mettre sur ma carte les petits, hop. Ah bah c'est déjà fait. Ici, je l'avais pas fait. Les petites icônes qui symbolisent les sanctuaires. Ah, c'est la forêt d'Hyrule, en fait, qui est complètement sous les nuages. Il doit bien y avoir un moyen de passer. Je vois qu'il y a un chemin ici, là. Ok, bon, bah on a découvert cette partie-là. Putain, c'est joli, hein. C'est très montagneux, cette zone, donc... Il n'y a pas énormément de chemin, là comme ça quoi. Il n'y a pas de village, il n'y a pas de trucs comme ça. Il y a surtout les ruines antiques ici. Et du coup la forêt. Donc je pense qu'on va aller du coup au niveau du relais de la forêt. Il porte bien son nom. Et on va essayer de se rendre par là. Parce que j'ai l'impression que de toute façon que par le ciel, il n'y a pas trop de trucs. Mais là je vois qu'il y a un espèce comme un trou. Donc on va y aller. Le relais est situé juste à côté justement d'une des grandes fées qui permet d'améliorer son équipement. On va voir ce qu'il faut pour améliorer la tenue du mauvais génie que je porte. Bonjour la grande fée. Tu es venue faire renforcer tes vêtements, n'est-ce pas? À l'heure actuelle, je peux améliorer tes vêtements au maximum. Puisqu'on a découvert les 4 grandes fées dans un épisode, on peut les améliorer au maximum. Alors, ça t'intéresse, vas-y. Alors, on peut améliorer le casque, l'armure de soldat, etc. Mais... je vois que le masque du mauvais génie, je ne peux pas. Il me manque des ongles d'inox, 3. Et des écailles d'or drac. Alors j'en ai 0, il en faut qu'une seule, je ne sais pas ce que c'est. Et bah c'est pareil pour l'armure. Ongles d'inox, écailles de nédrac cette fois. Je sais pas ce que c'est non plus. Or drac, nédrac. Ongles d'inox et écailles de roar drac. Waouh, qu'est-ce que c'est que ces monstres là? J'en ai jamais rencontré, c'est des écailles. Bon, les ongles d'inox, ça va pas être difficile à trouver. Mais par contre, ouais, ça a l'air... Bizarrement, toutes les autres tenues, je peux les améliorer. Mais c'est des trucs assez basiques, hein. Cornes de bocoblin, les alfos, gelées chouchou, tu vois, là, on est large, quoi.
Celle-ci, elle est un peu plus compliquée. Pantalon du brasier, ça va, des fruits de feu, t'en trouves souvent. J'ai l'impression que du coup, ils ont fait exprès. À bientôt, ils ont fait exprès, puisqu'ils savent que l'armure du mauvais génie, elle est quand même assez balèze, donc ça doit être des ingrédients assez rares à trouver. Donc il faudra que je me renseigne pour voir comment on récupère ce genre de choses. Alors, direction le relais. On va récupérer notre cheval. D'ailleurs, j'ai trouvé un nouveau cheval légendaire, les amis. C'est le cheval géant, le cheval blanc géant. J'ai fait un guide sur ma chaîne si vous voulez savoir comment le récupérer. Par contre, il est juste très compliqué à manier. D'ailleurs, il me semble que j'ai une récompense. Obtenir une récompense. Un instant, j'arrive. Ouais, te presse pas surtout, j'ai tout mon temps. Tu veux changer tes points contre une récompense. En échange de tes 13 points, voici ta récompense. Une selle de voyage. Oh. Cette selle standard offre un confort suffisant pour voyager de longues heures à cheval. Fiable et robuste, elle est souvent choisie par les voyageurs en quête de simplicité. Elle fait partie d'un ensemble, alors tiens, prends le licou de voyage aussi. Merci. Il convient à tout petit de chaud, qualité très appréciée des marchands et des voyageurs. Si tu collectes 3 points de plus, tu débloqueras un service te permettant de personnaliser ta crinière. Oh, trop bien. Merci de faire confiance à notre relais. Ok. Ici, normalement, on peut mettre une photo. Je vois que le cadre vide t'intéresse. Si j'avais une image de Goron prenant un bain dans les sources chaudes, je pourrais l'encadrer. J'avais pris une photo de ça, hein, au village Goron. J'en ai une, ouais. Quoi? Tu m'as apporté une image de Goron se baignant dans les sources chaudes? Tu veux bien me la montrer? Bon, la photo est pas ouf, j'avais prise un peu sur le... Voilà, elle est là. Tac. Oh, c'est exactement ce que je voulais. J'adorerais exposer cette image dans le relais, mais tu veux bien me laisser en faire une reproduction? Vas-y, fais une photocopie, je t'en prie. Pour reconnaître que ça donne envie, pas vrai? Je ne serais pas contre un bon bain dans les sources chaudes. J'adore aussi les sources chaudes, les termes IRL, hein, je parle. C'est trop bien. Ça, je kiffe ces endroits-là, je vous jure. Wow. Ah, c'est vraiment ma photo en plus. Excellent. J'aurais peut-être pu la prendre un peu mieux du coup. Ça rend vraiment bien, c'est parfait, je te remercie Link. C'est magnifique, exactement ce que j'avais en tête. D'ailleurs, s'il y a d'autres images similaires à m'apporter, je me ferai une joie de le reproduire sur la toile. Si tu veux que je change le tableau, tu n'as qu'à m'apporter une nouvelle image du même sujet. D'accord. Pour te récompenser, je t'offre un point de relais. Ah bah nickel. On pourra comme ça changer notre crinière. Et tiens, prends ça, c'est la spécialité de notre relais. Curry végétarien tempo. Ça augmente notre vitesse. Je te remercie encore, reviens nous voir quand tu veux. Bah écoute, merci à toi, ça m'a fait plaisir. On a décoré ton petit relais. C'est quand même assez sympa. Et voilà. Alors, mon cheval. Je me demande si la selle de voyageur est mieux que la selle royale. Que ça change quelque chose, genre. Alors, emmener... Personnaliser le cheval... Ah d'accord, emmener un cheval. Donc effectivement je l'ai appelé Titan parce que là il est immense hein. Mais par contre vous avez vu au niveau de son endurance, de sa puissance, il a rien du tout. Donc et puis il est fougueux en tempérament, donc c'est un vrai coquin. Donc je vais prendre Zelda. Titan, on va le laisser de côté, mais il est vraiment grand quoi. Alors comment tu veux le personnaliser? Changeons la selle, on va mettre la nouvelle selle qu'on a trouvée. Celle de voyage. Voilà. Et on va changer le licou et on va le mettre avec celle du... Bah du voyage aussi. Et voilà. On est bon. Merci. Si tu empruntes un chemin lorsque tu voyages cheval, ta monture le suivra. Tu peux donc lui laisser le soin de la conduire. Est-ce que tu es allé voir les sources chaudes? Oui, je suis allé voir les sources chaudes. Alors, on monte dessus. On dirait vraiment un voyageur avec mon bagage sur les côtés là. Alors où se situe la forêt? Il faut monter comme ça. Il a dit un truc assez intéressant aussi. C'est sur la gauche. C'est que putain, je viens de comprendre que si je suis sur un chemin, le cheval il va suivre le chemin. Oh mais non, comme dans Red Dead Redemption. Je vous jure, je savais pas.
Comment c'est possible après autant d'heures de jeu? Alors, direction ce gros nuage, cette forêt plein de nuages. En fait, c'est pour ça des fois que mon cheval il fait n'importe quoi, c'est parce que j'essaye de le faire bouger alors que je suis sur un cheval. Je suis sur un chemin. Alors qu'en fait, bah juste tu le laisses avancer quoi. Wow. Oula, les émanations. Aïe aïe aïe. J'espère que ça lui fait pas de dégâts. Ah, il y a un trou, d'accord. Tiens, justement, des fruits de feu. Ça, c'est trop bien. On en a jamais assez. Allez, avance. Alors, où ce chemin nous mène-t-il? Enfin, comment ça se passe, cette histoire? Waouh, qu'est-ce qui se passe ici, là? Est-ce que je peux y aller? Attends, on va descendre du cheval, parce que... Ok, on est dans la brume. C'est très bizarre. Forêt des méandres. C'est trop chelou. On voit que dalle. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais remis au début? Ouah! Comment ça se fait ça? Je peux pas y aller? Ah ouais, dès que je m'avance trop, je suis remis. Je suis remis au début. C'est bizarre, hein? On peut pas y aller. Donc on peut pas y aller par le ciel, on peut pas y aller... Waouh. Ouais, vraiment, dès que je m'approche, on peut peut-être y aller par en dessous. Hein. Comme il y avait un trou, en fait, quand on est arrivé, on a vu un trou. Il y a des profondeurs juste à côté, donc... Bon, j'y suis jamais allé, mais effectivement, comme il y a un trou juste là, je me dis... Il y a peut-être un genre de tunnel, un truc comme ça. On va aller voir. Petit Zelda, viens avec moi. C'est très curieux. Désolé le petit renard. Ok, alors. On va éviter de se prendre les émanations dessus. Vas-y, monte là. Alors. Abîme de la forêt, ouais. Au. Wouhou. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans les abîmes, les amis. Alors attends, on va essayer de se mettre en direction du chemin. Parce que ça va être chaud. Waouh. Ok. Sylve de Tylor. Mais ça va être dur de se repérer là-dedans. On va devoir utiliser nos petites fleurs. Ah, c'est quand même mieux. Hein. Alors attends, le chemin il est où là? Oh purée, c'est chaud. C'est par là-bas. Je crois qu'il y a une flamme là-bas là. Ah bizarrement sur la carte je vois le chemin. Ah mais on dirait que ça forme un chemin en fait. Hey. C'est pas le nuage aussi en dessous? Me dis pas quoi. Que même en dessous c'est bloqué. Attends, il faut que je mette des... Je vais en mettre une énorme, vous savez, on en a des très grosses. Enfin 45 en plus. Wouhou! Bah voilà. C'est quand même mieux.
C'est pas le temple du feu là-bas? Je vais regarder sur la carte. Ah si, c'est ça, hein. Je crois. Ah si, c'est ça, temple du feu, des barres. Eh mais attends, on dirait que si je mets... Putain, je viens de trouver un truc en fait. Si tu sélectionnes en fait la carte du ciel, ça te montre sur ta carte en bas à droite la carte du ciel. Si tu sélectionnes la surface, ça te met la surface. Et si tu sélectionnes les profondeurs, ça te met la carte des profondeurs. Je savais pas que ça changeait comme ça en... C'est un délire, non mais c'est l'épisode des découvertes impromptues. Je vais remettre une graine. Merci. Donc comme ça c'est cool parce que je peux suivre le chemin mais pas en dessous. Mais j'ai l'impression que les petites lucioles elles me guident quand même. Un aéronef, enfin un planeur plutôt. Je ramasse tout ça mais je sais toujours pas à quoi ça va me servir. Il faudrait trouver, vous savez, les grosses plantes qui... Ah bah tiens, il y en a une là-bas. Alors là, c'est un peu chiant. Je crois que je vais grimper à l'arbre. Oh oui, fleur bombe. Ça, c'est la vie, ça. Grand esprit. Oh, plus 5, ok. Hop là. Voilà, j'ai pas le choix que de grimper sur les arbres pour... Pour après rejoindre justement, il y a une grosse fleur là-bas qui va éclairer toute la zone. Hé ! Qu'est-ce que tu me fais là ? Ok. Attends, on dirait un petit elfe comme ça. Waouh, j'arrive pas à grimper. C'est quoi ? Ok. Hop les. Ouh ! Merci Babil. Hop. On va le mettre juste là. Merci. Sylve Korogu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Secours. Au secours, au secours, au secours. Au secours, au secours. Laissez-moi tranquille. Oula là là. Ouh. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Putain mais elles sont horribles. Oh. Vas-y les gars, défoncez-les. Yes. Ouh. On les a eus. Ah, elles sont horribles. Quoi? C'est quoi ça, fantôme de Ganon? Oh my god! Mais c'est une blague? Comment ça? Comment ça, fantôme de Ganon? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Les amis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je me fais attaquer par le fantôme de Ganon? Oula oula oula. Au secours, au secours, au secours. Oh purée. Oh mon dieu. Ah, en plus il me fait des attaques de... Waouh. Aouh. Il me démonte. Il me démonte. Tiens, je prends ça. Lève-toi. Aouh. Au secours. Ah, il faut vraiment que je me protège. Hein. Aouh, pourquoi tu te protèges pas, frérot?
Bim. Putain, ça lui fait pas grand chose, ça. Hein. Il s'en fout un peu. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre, des amis? Fouille de foudre. Au secours! Oh, il a pas kiffé ça. Votre arc va bien trop se briser. Super. Ça me fait une belle jambe. Oh mon dieu. Bim! Tous mes potes sont là avec moi. Qu'est-ce qu'il fait là? Le fantôme de Ganon, il fait peur. What? Fruits de gel. Qu'est-ce que j'ai comme truc cool qui peut le défoncer? Leur lame. Pas mal ça. Oh, il s'est brisé. Ok. Allez, allez, bientôt mort. Bim. Ah, il va mourir. Dernière. T'es mort. Oh oui. Fantôme de Ganon. Oh my god. Il était chaud lui. Amas de ténèbres. Arc du roi démon, mais non! Comme ça en fait. Cet arc maléfique était l'arc de prédilection du roi démon et reflète la puissance de son porteur. Plus il a de réceptacles de cœur, plus la puissance d'attaque est élevée. Trop bien. Yeah. Ah, il est vraiment basique par contre. Putain, mais c'était le fantôme de Ganon quoi. Sabre émanatique. On dit que ce sabre du plus sinistre augure qu'il aspire la vie de quiconque y touche. Le corps de son porteur est progressivement rongé par des émanations. Oh mon dieu. Ça c'est un truc à double tranchant en fait. Sans vouloir faire de jeu de mots. Oh, il est stylé par contre. Il a une puissance d'attaque de 41. Érosion émanatique. Alors écoute, pour l'instant il ne fait pas de dégâts plus que ça. Waouh, eh, c'était trop stylé le fantôme de Ganon. Déjà on se tape la main, déjà, mais ensuite lui qui est arrivé là. Ok. C'était très chelou. Mais c'était très stylé. Alors, hop. Elles sont mes grosses fleurs là. Ici. Donc attends, je vais remettre la carte comme j'aime bien là pour voir un peu. Ah bah on est à l'intérieur les gars. On est rentré parce que nous on n'avait pas pu aller plus loin qu'environ ça là. Donc on est en dessous. Du coup là l'idée ce serait de trouver un moyen de ressortir. On prend tout ça. Est-ce que je peux déjà essayer d'aller découvrir la zone. Donc il y en a une là-bas, il y en a une ici. On dirait une grosse, un gros arbre en fait. Putain, les profondeurs, vraiment c'est effrayant, je te jure. Ah. Il y a une épée aussi, enfin... C'est vrai qu'on avait déjà récupéré ce genre de choses une fois qu'on était venu dans les lances de voyageurs. Le problème c'est que je suis à fond de balle. Tac. Comment on... Il y a quelque chose là-haut aussi là. Sauf qu'il y a plein d'émanations dessus. Oh purée. C'est pas vrai. Attends, ils aiment pas la lumière eux. Non. Oh. Tombe pas, tombe pas. Je sais pas, je vais tirer dessus avec là. Hop là. Je vais tirer dessus avec une fleur. Il est parti direct. Grand esprit. Merci. Alors, ça se récupère ça? Oula, je glisse. Non, ça se récupère pas.
Très chelou. On va grimper là. On se met là. Ok. C'est très classe. On va aller du coup se faire un petit point de téléportation. Racine Alik Onazum. Donc ça veut dire que vous vous rappelez, hein, quand il y a des racines comme ça, ça veut dire qu'il y a un sanctuaire juste au-dessus de nous. Magnifique. Waouh, c'est tout petit. C'est tout petit. Mon dieu, c'est tellement grand. Ah oui, ça a restauré mes cœurs qui étaient endommagés. Sylve Korogu. Ok, et donc on est du coup en plein centre. Et donc si je comprends bien le délire, on doit pouvoir remonter par là et atteindre la forêt. C'est parti. C'est long. C'est très long. En même temps, on remonte comme ça jusqu'à la surface, là, ça veut dire. Effectivement, on est... Oh, les petits Korogu! D'accord! La forêt Korogu, grande forêt d'Hyrule. Trop bien. Ah, on nous parle? Arbre Mojo! Esprit de la forêt Korogu. Il avait l'air étonné de nous voir. Bonjour. Parle pas. Eh, moi j'ai sauvé plein de vos potes, hein, donc faut être sympa avec moi. Lui non plus, il parle pas. Princesse de la sérénité. On dit que la princesse d'Hyrule chérissait cette ravissante fleur en voie d'extinction qui semble à nouveau s'épanouir dans la nature depuis quelques années. Ok. Donc les gars, vous avez un problème là. Vous êtes dans le noir là. Sanctuaire Musanokila. Donc ça doit être ce sanctuaire qui... correspond à la racine d'en bas. Et donc lui là, il veut nous parler. Bon, les petits Korogu, ils nous parlent pas. Ah, il est un peu plus grand lui. Non plus. Est-ce que c'est tous les Korogu que j'ai trouvé? Bah non, c'est pas possible. Oula, il y a des émanations là dans le... Il y a des émanations dans le cœur de l'arbre Mojo. Lui non plus, il parle pas. Bonjour. Bah, pas du tout, apparemment, là. Elle fonctionne. Toi qui as surmonté les épreuves. Nah, j'ai pas assez. Il m'en manque une. Il m'en manque une. Ok, il y a un lit. Oh. Ah bah on peut redescendre, ok, par là, mais c'est chelou. Comment on lui parle en fait? Ah, parler. Ok. Vénérable arbre Mojo, ouh, mes entrailles. Ah, il est pas bien. Il est pas bien à cause des émanations. Du coup, ça veut dire quoi? Il faut qu'on rentre là-dedans, là? On va essayer. Hein. Nouveau. Abîme de l'arbre Mojo. Ouh! Waouh, ok. Bah, on descend tout en bas, en fait. Hein. Ok. C'est quoi ça? Oh non! Encore des mains.
C'est pas vrai. Il s'emballait rien de ça. Wow, ça c'est chaud hein. Oh mon dieu. Aïe 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 aïe, elle m'a attrapé, Non. Comment je fais pour la niquer? Waouh, mais c'est chaud. En fait là, comme il y a des trucs de partout. Oh mon dieu. Oh mon dieu. En plus je vais même pas pouvoir me soigner. Oh. Je vais pas pouvoir me soigner parce qu'elle me prend toute mon énergie. Qu'est-ce que je peux prendre les amis? J'ai rien sur moi. Ah c'est pas vrai. Fous-moi la paix. Ah mais ça c'est trop chaud là, je suis dans les émanations, je me fais défoncer. Je vais mourir. Hop. Oh là 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 là. Ouh. Au secours. Putain c'est chaud. Je peux même pas me soigner en plus. Je peux pas me soigner parce que je... Bah avec les émanations je suis niqué. Ah je suis mort. Ah c'est pas vrai. Je peux rien faire. Ok. J'ai pas dit mon dernier mot. Allez c'est reparti. Saloperie là. Oh là là. Bim. Il est affreux lui. Ouh. Mon dieu. Je vais peut-être changer de bouclier. Qu'est-ce que je peux prendre? Oh mon dieu. Hop. Là, il faut rester à distance vraiment. Sinon c'est trop chaud. Qu'est-ce que j'ai? Allez ça. Wow. Oh il m'a fait tellement mal. Faut que je prenne un plat. Qu'est-ce que j'ai? Faut que je fasse un truc. Ouais ça. J'augmente l'attaque sinon c'est mort. Ah il a une faiblesse sur la tête. Ouh. Oh non c'est pas possible. Il me one-shot pas déjà, ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez celui-là. Boum. Aïe. Ouh j'ai esquivé. La petite esquive. Saloperie là. Ouh. En fait faut lui mettre vraiment en pleine poire. Et là il recule. Aouh. Mais qu'est-ce que tu me fais mon petit Link? Ok. Allez, je mange tout et n'importe quoi, c'est pas grave. Ah, je me prends de... En fait, comme il a... Quand il est au sol, il a des émanations qui partent de lui. Donc c'est chaud. Yonobo, t'es où? Ce qui est chiant, c'est que les sages, ils restent pas trop à côté de toi, tu vois. Bim. Ah oh ouais, si tu les tires bien dans la tête. Au secours. Ouh. Bim. Oh, j'ai failli mourir. Il me reste un 3 quarts de cœur. qu'est-ce que je vais prendre? Un truc qui prend pas trop non plus. Ok. Ah non, j'ai pas pris assez là. Je suis un ouf. Allez, je mange ça. Allez, vas-y. Bim. Et voilà, frérot. Allez, le deuxième fantôme de Ganon. Ah, mais c'est terrible. Deux? Vraiment deux? C'est abusé. Et en plus, tu te fais les mains et après, tu te fais Ganon. L'enfer. Enfin, Ganon. Le fantôme de Ganon. Les amis, on a libéré l'arbre mojo de la malédiction, des miasmes. Waouh.
Je m'attendais pas à tomber là-dessus quand même. Sur un boss mystère le truc. Salut les petits Korogu. Tu l'as battu, merci tout plein. Le vénérable arbre Mojo t'attend dans la forêt Korogu. Eh bah tant mieux, ça me fait plaisir. Alors, ah du coup il lâche exactement les mêmes... Ok, les armes, les mêmes armes. Ça, ok. Bon, je vais jeter ça. Hop, je vais prendre ça. Et après, au niveau des arcs, hop. Arc du roi démon. Rien que le nom, il est stylé, quoi. Amas de ténèbres. Ok. Bah, je crois qu'on est tout bon. On va pouvoir remonter à la surface. Bah, je vais me téléporter, du coup, je pense. Ce sera plus simple au... Au niveau du sanctuaire, c'est parti. Et voilà, et d'ailleurs maintenant... Oh, il fait beau, je crois que la tempête est partie. En fait, c'est comme si le fantôme de Ganon, il avait maudit la forêt, elle était inaccessible, et maintenant, ça y est, on a levé la malédiction. Et il fait beau dans la forêt des Korogu, et je vois qu'il y a Noya qui est là maintenant, elle est plus au fort de guet. La petite canaille. Petite noisette, comment on se retrouve? Ça faisait longtemps. Je me suis enfin de retour dans la forêt Korogu. Bah oui, en fait, elle pouvait pas venir. On dirait que la vilaine fumée a fait plein de misère à la forêt. Mais heureusement, tout le monde est sain et sauf. Tralala youpi. Sniff, sniff. Cette odeur, c'est celle d'une noix Korogu. Mais alors, les enfants de la forêt t'en ont offert. Si tu me donnes des noix, j'agrandirai ta sacoche. Alors, je pense que je vais encore faire les armes. Oh, il m'en manque encore une. Ok. C'est pas grave. Je pourrais augmenter les boucliers ou les arcs, mais j'aime pas trop augmenter les autres. Je sais pas pourquoi. Je trouve que je trouve que ça dure assez longtemps, les arcs et les boucliers, pour pas avoir besoin de trop de compartiments non plus. Ami héros, merci d'avoir redonné son état normal à la forêt Korogu. Est-ce que tu as une minute, ami héros? J'aimerais te demander quelque chose, ami héros. Oh, c'est vrai. Merci, ami héros. Tu vois, j'ai un ami qui dit qu'il a vu un grand cercle qui tourne. On dit que c'est dans l'eau qu'il a vu. Moi aussi, j'aimerais bien admirer ça, même si c'est juste une image. Mais c'est trop dangereux de voyager. Vivement que tout redevienne calme comme avant, Amiro. Les cercles qui tournent, ok. Bah, je crois que j'en ai vu un dans le sud d'Hyrule. Pas loin du pont où il y a justement un immense dragon sur le pont. Bonjour, toi. Ouah, j'ai comme la tête qui tourne. Oh, mais tu es... Que fais-tu là? Nom d'une pistache, je me souviens. Le vénérable arbre Mojo s'est senti mal tout à coup. Et d'inquiétude, nappes de brouillard sont sorties de sa bouche. Aussitôt, tous les Korogu de la forêt se sont mis à comporter bizarrement. J'ai combattu avec férocité, pourfendant un à un les monstres qui jaillissaient de toutes parts. Je plaisante, bien sûr. J'ai été paralysé comme tous les autres. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. C'est arrivé si vite que les autres Korogu ne doivent même pas se souvenir d'avoir été bizarres. Mais grâce à toi, tout est redevenu comme avant. Merci. Je suis sûr que le véritable arbre Mojo veut te remercier. Alors, qu'est-ce que tu fais encore là? Va le voir. Ok. On va aller le voir. J'ai une affaire à te demander. En ce moment, il y a des Korogu avec des soucis dans la tête. Si tu suis ces lumières, tu trouveras des Korogu inquiets. Tu devrais aller leur parler. Ok, on va aller d'abord parler au boss, au big boss, à l'arbre Mojo. C'est quand même vachement plus joli comme ça, non? Oh, c'est toi. Pardonne-moi, j'ai la sensation de m'éveiller d'un mauvais rêve. Tu m'as libéré de l'influence néfaste qui m'habitait. Je te remercie de ta sollicitude. Je suis de nouveau moi-même. Le temps a passé depuis notre dernière rencontre. Comment te portes-tu? La dernière fois que je t'ai vu, tu venais chercher l'épée de légende aux côtés de la princesse. Oh, c'était quand ça? C'était Breath of the Wild? Quelle joie de vous revoir. La prêtresse royale d'Hyrule et le maître de l'épée de légende, Link. Ton arme a retrouvé toute sa puissance. Tu vas pouvoir la brandir à nouveau. Mmh.
vénérable arbre Mojo. Merci infiniment. Oh, oh, oh. Inutile de me remercier. Rien de ce qui s'est produit n'est de mon fait. L'épée se régénère d'elle-même avec le temps. Quelles que soient les blessures qu'elle reçoit, elle retrouve toujours son intégrité. Cela va même encore plus loin. Qu'un pouvoir sacré l'abreuve, et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore. Plus grand est le pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Telle est la nature de la lame formidable qui, selon les mythes et légendes, fut forgée par la déesse. Alors, sa puissance peut croître encore. L'épée de légende. Waouh, c'est stylé. C'est très intéressant ce qu'il a dit, puisqu'en fait, elle se régénère d'elle-même avec le temps. Ça veut dire que, comme l'épée de légende est retournée dans le passé, potentiellement, Zelda l'a cachée quelque part, et avec le temps qui est passé jusqu'à notre présent à nous, elle a pu se régénérer. Et l'autre chose importante, c'était qu'elle peut gagner encore plus en puissance. Et pourtant, tu ne portes pas la lame purificatrice aujourd'hui. Que lui est-il arrivé? Que dis-tu? Tu ignores où elle se trouve? Cependant, je sens la présence de l'épée de légende. Je la sens, oui. Cela ne fait pas le moindre doute. Oh, il l'a mis sur la carte? Elle est là! Non, elle est dans le ciel? À côté du ciel de l'Anel? Ok, les gars. Elle bouge? Dans le ciel, son aura est puissante tout là-haut. Mais quel est ce prodige? L'épée de légende se déplace. Il te faudrait faire preuve d'inventivité si tu veux parvenir jusqu'à elle. Mais ne renonce pas. L'épée de légende attend que tu la retrouves. Oh my god! Quête principale, les amis, la lame perdue du héros. Oh yes! Ça, c'est trop bien. Oh, c'est trop stylé. Oh mon dieu, mais attendez. Une entrée a été ajoutée à la section souvenirs. Il faut qu'on regarde. Ah, c'était le tout premier souvenir, les amis. Link se rend à la forêt des méandres pour y récupérer l'épée de légende régénérée. Zelda qui l'accompagne est surprise d'apprendre de la bouche de l'arbre Mojo que l'épée de légende deviendrait plus puissante encore si elle était nourrie de pouvoirs sacrés. Ok. Et donc sur la carte, attends, mais est-ce qu'elle bouge vraiment même en direct? Ok, là elle bouge pas. Ok. C'était très bizarre. C'était très chelou. C'était vraiment stylé. Ok. L'épée de légende attend que tu la retrouves. Bon, bah les amis. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Et je pense que vous savez qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Je peux pas attendre plus longtemps que ça. Nous allons récupérer l'épée de légende. La Master Sword, les amis. J'ai vraiment hâte. C'était très cool comme épisode. J'ai beaucoup aimé. On a libéré la forêt Korugu. On a battu... le voir, les fantômes de Ganon, du coup je sais pas combien dans le jeu, mais c'était assez chaud. Et on a maintenant débloqué une quête principale qui est de récupérer l'épée de légende, les amis. Donc c'est parfait pour la suite de notre aventure. Ça sera dans le prochain épisode, merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très bientôt pour la suite. N'oubliez pas de liker, de commenter et passez une bonne soirée. Ciao!